Une nouvelle pour la suite. Ah, vous savez, buggy. Non. Pourquoi ils ont dit ça? Ouais, c'est vrai, on va mettre les. Qu'est-ce que je fous là? Où est-ce qu'il est? Alors. Dis-moi, que penses-tu de cette œuvre-ci? Tu sais, on dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Oui? Eh bien, ils vont devoir trouver à peu près 999 synonymes de nullité pour ce machin. Au revoir, monsieur. J'espère que notre galerie vous a plu. Ah oui, merci. J'ai trouvé cette superbe copie à la boutique de souvenirs. Mince! On dirait vraiment l'original. Oui, hein? Bon, allez, au revoir. Oh, tiens, je ne savais même pas que la boutique vendait des copies. Un peu bête, la faim, mais bon. Bien sûr, je suppose. Hé, hey, vous, arrêtez-vous! Je vous reconnais? Vous êtes le flic d'il y a quelques années? Ouais! Ah, super la discrétion, Chase. Je voudrais juste vous parler. Garde les yeux sur la route, Chase. Bah, j'essaye. Passer à conduire ce bagnole. J'ai déjà fait le passage. Où c'est où? Tire-toi. Allez. Et moi, je prends la suite, connard. J'ai pas de voiture. Oh, mais pourquoi vous arrêtez pas de m'arrêter? Vous alliez rejoindre le gang de Chan. Non, ça marche. Hey, c'est pas un crime, ça. Et comment je voudrais j'ai pas avoir l'air de vous dire comment faire votre travail. Mais hein. Si vous voulez m'arrêter, ce serait plutôt pour le tableau que je viens de voler, imbécile. Hein? Ah, oh, et puis zut. Merci, Bucky. Bon, je ferais bien d'aller à mon entretien d'embauche. La police est à la recherche de Red Fury. Salut. Quoi de neuf? Salut. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Et un de ces jours, ça sera la réalité. Faut que je me mette en route. Bon, on prend une voiture. Vous trouvez une voiture par là. Stop! Hé, hey, connard! C'est une urgence! Ah. Regardez où vous allez! Ouais, bah je sais pas comment ça marche, c'est gentil, toi. C'est comme je peux, hein. Pousse-toi. Génial. Je suis complètement paumé. Toujours pas de voiture? Je
je sais que je l'ai vu quelque part dans le... Tout ça donc je fais hein, c'est bien que ça va pas se... Si un truc de dynamite, il faut que je trouve où le mettre. Je prends juste quelques secondes pour chercher si vous me permettez. Par là, ça n'ira pas le truc de dynamite. Bon après-midi. Ça doit être par ici. Il serait presque temps de travailler. Bon, bah, on avance en même temps, de toute façon. Hein. Une fois notre rendez-vous. Que vais-je manger aujourd'hui? Succulent. Hein? Une voiture. Merci. C'est pour la police. Allez, tout le camp. Étant donné que c'est un GTA Lego. Voilà. Classe. Je suis obligé de faire, désolé. Hop, on repart. J'espère qu'il a rien. Tiens-vous. Hop. C'est toi le petit nouveau? Oui, monsieur. Oh, on m'avait annoncé un voyou. Tu m'as l'air un peu trop respectable pour le poste. Ah, dans ce cas, tu devrais t'acheter des lunettes, le vieux. C'est plus ça que j'attendais. Bien, j'ai besoin que tu ailles chercher quelqu'un. Oh, il s'est perdu? En voiture. Bien sûr. Cette personne, c'est Forrest Blackwell. Le multimilliardaire? C'est exact. Mais ce ne sera pas facile. Monsieur Blackwell est constamment traqué par des paparazzi. Ils essaieront de vous suivre. Mais ça ne plaira pas à Monsieur Blackwell. Pigé, pas de problème. Je suis un as du volant. Brave garçon. Va le chercher à la tour Blackwell. Et sois poli. C'est notre seul client. Ok. Ok, chef. Pourquoi restes-tu planté ici? Ah, bah c'est fou, je prends la bonne voiture. Ça va, oh. Ça veut dire qu'il faut que je roule doucement. Enfin, du moins, pas abîmer la voiture. J'ai des cœurs. J'imagine bien que ça doit être ça. Hein. Suivez les pièces de GPS pour vous rendre à une destination. Bah, c'est tout ce que j'ai fait.
c'est depuis le début du jeu, hein. Hey, priorité Ulrich. Bon, tu voulais accélérer ou... J'ai fait un petit détour, je suis sûr que je pourrais aller plus vite quelque part. Oh, il suffit les mecs ou quoi là. Oula, c'est bien bas. Hé, hey, on bourre pas. C'est qui chef? Voilà. Le bot il se... Nous voilà arrivés. L'impact sur l'environnement. Monsieur Blackwell, pensez-vous toujours au scandale? Pourquoi ne laissez-vous plus personne entrer dans votre tour? Est-il vrai que vous préférez les chats aux chiens? Messieurs, s'il vous plaît, respectez la vie privée de Monsieur Blackwell. Il veut juste se rendre dans un endroit mystérieux pour des raisons secrètes dont il souhaite que vous ne sachiez rien. À part ça, normal. Du gros crayon, vous avez vu? Non. Où dois-je vous conduire, monsieur? C'est fort aimable de me le demander, jeune homme. Je dois assister à l'une des ultimes représentations de la boîte de réception sans fin au théâtre Gillespie. On a dû vous prévenir que je déteste les paparazzi, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je ferai de mon mieux pour les semer. Je suis conscient que cela peut vous obliger à adopter un style de conduite, disons, peu orthodoxe. Cela risque de secouer un peu. Oh, écoutez, ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai déjà voyagé sur le dos d'un vaisseau du désert. Rien ne saurait égaler l'inconfort que cela a fait subir à mon postérieur. Êtes-vous amateur d'art vous-même, jeune homme? Eh bien... J'aime bien cette émission de télé où un singe résout des crimes. Ah, un fin connaisseur. Bien, puis-je vous demander de quoi parle la pièce que vous allez voir? L'autorité, les règlements, la bureaucratie, les soucis habituels des gens mesquins. On dirait mon ancien travail. Ah, voir ces plans contrariés par des bouffons. Mais que faire? Soit on les ignore pour vivre comme si de rien n'était. Soit on devient fou. Oui. Fou. Je ne regardais même pas la route. J'avoue que je suis un peu n'importe quoi, j'écoutais la conversation. Ou bien on agit dans leur dos et on fait les choses à sa guise, sans qu'ils s'en aperçoivent. La troisième option. Ne le dites à personne, mais c'est celle que je préfère. Moi aussi. J'espère que la pièce vous plaira en tout cas. Merci. Je crains que ce ne soit la dernière occasion pour moi d'en avoir une avant longtemps. J'ai un assez long voyage de prévu. Ok, bon bah... Ça veut dire qu'il va quelque part, une fure partie de la vie. Est-ce que c'est l'heure? Et voilà. Bien, je crois avoir survécu de justesse à ce trajet, chauffeur. Ce n'est pas la peine de m'attendre. Je rentrerai chez moi par d'autres moyens. Au revoir. Au revoir, monsieur. Eh bien, c'est cool. On fait quoi maintenant? Je suis surprise que mon patron ait fait ça. Avec une belle augmentation de salaire, je l'ai gagné bien.
C'était une conduite admirable avec Monsieur Blackwell. Ton manque total de respect pour le code de la route prouve que tu es un type sans scrupules et c'est appréciable. Merci. Merci. Je déteste le code de la route. Oui. J'avoue. J'ai l'impression que tu pourrais être le genre de gars que nous recherchons. Tu as déjà volé quelque chose? J'ai déjà volé des crayons. Oh. Un millier de crayons. À un gamin, qui boitait en plus. Excellent. Dans ce cas, tu vas recevoir une promotion. Rends-toi dans l'allée sur la gauche de la casse automobile, à Pagoda. Mon employeur attendra ton arrivée là-bas. Il te fournira les explications détaillées. Allons rencontrer Monsieur Chan. C'est pour la police. Ok. Eh bien, merci beaucoup du boulot, hein. On va y aller vite, je sais pas. Enfin, si je trouve la route, hein, évidemment. On se pousse. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour se faire employer par des gangsters? Voilà. On va pas assez vite, je trouve que c'est dommage. Ça aurait été cool de pouvoir aller un peu plus vite, mais bon. Attendez, excusez-moi une seconde. J'ai vu ça, donc je suis obligé de regarder, hein. Désolé. Hein. Comment ça va? Et on trouve. Ah voilà, c'est un truc qu'il faut mettre là. C'est tout? Ok, bon, on continue alors la route. Ma voiture. On va piquer ma voiture. On vole la voiture d'un voleur, c'est rare ça. Oh, belle voiture, ça, à mon avis. C'est une urgence. Ouais, quand même. Ça doit être plus vite. Oh, c'est la fin là, c'est dommage. Dommage, j'étais bien la voiture. Partout en taxi, on devait avoir un chercher un hamburger. Hop. Ruelle sombre. La nuit. Ta-ta-ta. Parfait. Je suis ici pour une promotion. Quoi? Mais tu as l'air d'un flic, toi! Eh bien, je n'en suis pas un. La preuve. Tu m'étonnes. Bonjour, chauffeur. Veux-tu gagner un peu d'argent? Arrêtez ça! Je vais vous virer, bande de rigolos! Ah là, l'humour. Et ce serait pour faire quoi? Chauffeur de braquage? Pas si vite. Chauffeur de maître, alors? Non! N'importe quoi. Tu dois d'abord faire tes preuves. Voici une liste d'instructions. Suis-les et reviens ensuite me faire ton rapport à la casse. Et ne te fais pas penser comme ces imbéciles! Bien sûr, Monsieur Chan. Je préfère Monsieur Chan. Mais t'es encore là! Bien. Ok, Chan veut que je récupère une voiture chez son rival pendant une fiesta là-bas. Ça, ça va faire de moi un trouble-fête. Je crois que je n'ai encore jamais troublé une fête. Oh cool, la voiture. Allons-y, on fait la course? Moi, je veux pas.
Ouais, j'ai fini tous les flics. Trop classe. Attention. Super. Cascade. Ouais. On se la fait grave, hein. Oui. Désolé, je me la pète un peu là. Donc il faut aller. Excusez-moi une seconde. On va faire ça tous les jours. Donc, il y a un bloc caché dedans. Ouh, vous avez vu ce que j'ai vu? Voilà. Alors, tiens où? J'ai tellement soif. Hop, hé, ma bagnole. Putain de froid. C'est une urgence. Ouais, moi je préférais l'autre, hein. Mais t'as plus classe quand même. Non, enfin bon. Ouille. Tire-toi. J'espère qu'il a rien. On s'en fout, il y a quelque chose. Il ne peut pas être là, hein. C'est bon, d'un côté, là, on peut les terminer à pied. La police est à la recherche. Il a l'air gentil. C'est où? Oh, c'est en face. Ah ah, on va piquer la voiture. Classe. C'est pas juste qu'on soit obligé de garder cet endroit. Ah ouais? Eh, on pourrait aller en douce à cette autre fête près de la piscine de l'hôtel. Bah peut-être, s'ils se mettent à passer de la bonne musique. Et à servir à manger. Ah, manger de la piscine. J'ai oublié mon... Ah non, il est dans ma poche. Ah oui, on voit, qu'est-ce qu'on peut faire là? Il était censé y avoir un barbecue ici. Comment veulent-ils qu'ils servent de la bouffe cramée et cancérigène dans du pain sans barbecue? Je n'ai pas eu deux jours complets de formation comme cuistot pour faire face à une telle pétance. Ce n'est plus qu'une question de jours. Comment ça s'appelait? Mais voilà, aurait-il eu un barbecue dans les parages? Hé hey, un barbecue. Eh ouais, et propre en plus. Je n'aurais pas besoin de tout noyer dans le ketchup pour masquer le goût cette fois. Que quelqu'un m'apporte. Maintenant, il me faut des trucs à faire cuire dessus. Ouais, je trouve ça où? Bonjour, je nous dis un petit peu où aller, ça serait des fois on serait perdu, sinon j'avoue que.
Ça c'est eux, ok. Salut à vous. Ça va où la pêche? Oui, mais je sais, mais il faut savoir où est-ce qu'elle est, cette nourriture. Tu pourrais bien aller chercher de la nourriture. C'est un indice. Je suis dans la bonne nuit. Où est ce que je suis fatiguée? J'adore quand un plan se démoule sans accroc. Ah bah voilà. Vous avez trouvé. Je suis vraiment ravie d'avoir emménagé à Lisa. Les nourritures apportées de lui, ok. C'est du poulet, c'est ça? Parfait, merci. Bah oui. 30 secondes, il sera prêt à manger. Vous voulez un peu de tartare de poulet? Non, merci. C'est une odeur de nourriture que je sens. Je crois bien, ouais. Ciao. Ah, il y a une musique. Comment j'ai vu? Donc un de moins déjà. Ah, j'entends la musique. Je me sens bien. Hey man, ma sono a explosé. C'est, bon. C'est la dernière fois que je passe de l'opéra dessus. T'inquiète, je te la répare. Wow, t'es un petit prodige de l'électronique. Mais tu dois trouver un autre disque pour faire tourner les platines. Oh, t'es chiant. Et badaboum. Oh, c'était pas prévu, ça. Est-ce Maintenant, je vais la faire revenir. Abricabrac. Un disque? Aurais-je plutôt dû dire abracadébri? Ou bien crabe-cadabra? Non, ça c'est pour faire apparaître des fruits de mer. Bah, je suis sûr qu'elle est en sécurité quelque part. Jusqu'à 11. Doucement. Oh, ce rythme, je peux pas résister. Il est bête. Ok, maintenant on peut aller voler la voiture. Adios, ses amis. Sachant qu'on va courir toujours, hein. C'est un peu énervant ça d'ailleurs. Alors là, donc il y a les deux, ça fait quoi ça? Je devrais occuper mon temps libre à quelque chose de plus constructif. Que vais-je manger aujourd'hui? Ça fait rien? Croyez. Ok. What? Qu'est-ce que vous faites? Je lave les voitures en cachette. Attrapez-le. Hey. Thank you.
là, un petit pied au cul. Putain, coup de boule. C'est tout? Bon, je peux travailler normalement maintenant? T'es devenu membre d'un gang criminel? Oui, c'est vrai. Je travaille pour Chan Chuang. J'arrive pas à y croire! J'avais de l'admiration pour toi, Chase! Il est bête ou quoi? Je suis exprès. Je te déteste! Il est bête, le mec, quand même. Ce n'est pas pour de vrai, Frank. Je suis sous couverture, tu te souviens? Pour découvrir où est Rex et l'arrêter. Oui, mais oui, je le savais. En fait, c'est plus la peine de signer cette carte. Bonne chance dans ton nouveau travail. Écoute, Chan m'a demandé de prendre la voiture d'un de ses rivaux. Ce n'est pas vraiment un chic type, mais il devrait sans doute être dédommagé par la ville malgré tout. Tu pourrais demander à qui de droit de régler ça. Bien sûr, j'en suis tout à fait capable. Une fois, j'ai remis un très important message du maire à Madame le maire. Ah, bon. Je t'envoie ça tout de suite. A plus, Franck. Ça, c'était pas... Non! Je dis non. Ah, je peux pas ton histoire demain, j'en ai eu des... Et toi d'abord, mais oh, je suis un flic, qu'est-ce que je veux? Allez, on fonce, on peut croire. C'est foireux là, là on va s'en tirer. Ça, ça va me causer des ennuis. Un peu cabossé, mais tu t'en sors quand même mieux que n'importe quel Gus de ma bande. Ah, au fait, Gus, t'es viré! Je crois que tu as prouvé de quoi tu étais capable. Ce qui tombe bien, parce que j'ai besoin que tu ailles à mon agence de limousine. L'alarme anti-vol s'est déclenchée. J'enverrai bien Feng ou Li, mais ils ont un peu les mains liées en ce moment. C'est d'ailleurs pour ça que je vous avais interdit de jouer à la corde à sauter pendant le boulot! Et ce vieux type qui travaille à votre agence de limousine? Oh, j'ai dû le licencier pour familiarité excessive à mon égard. Ça me fait de la peine vu que c'était mon père. Si tu trouves quelqu'un là-bas, je veux que tu règles le problème. Est-ce clair? Oui. Oh, et quand tu seras là-bas, les gens qui font appel à mes services tiennent à la confidentialité. Alors ne regarde pas mes registres! Oh, je n'y aurais jamais pensé. Tu m'étonnes. Donc, il faut aller... Excusez-moi, il y a un truc là, vite fait. Non ? Salut à vous. Ah, un lanceur de cochon.
Si. Bon. Désolé. Mission en cours. Hey, j'attends toi. Bouille. Bon, après, c'est là où il était. Oh, ça avait l'air cher. On prend la moto, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il trafique là-dedans? Un, deux. Ah, pour suivre. Ok. Putain, c'est pas possible. Vous pensez ou l'arrêter? C'est pas pareil. C'est bon chemin, que je vois pas du tout. Non, voilà. Ah ouais, d'accord. Ils se font pour qui? Pour Batman ou quoi, lui? Là, ouf, je suis arrivé aussi. C'est mieux de faire le vidéo quoi, c'est fait trop fort quand je le tourne. J'essaye de trouver mon père, Chase. Hein? Quoi? Caché dans un tiroir? Non, non. C'est juste qu'avant sa disparition, on a vu mon père monter dans une limousine. Qui appartenait à Chan? Je pense, oui. Mais je n'ai rien trouvé dans le bureau de Chan. Juste des sacs d'argent vides du papa Lardoz. Du papa Lardoz? Oui, tu sais bien le glacier avec ses camionnettes. Oui, je me souviens. Mais si Chan travaille pour le gang de Vinny Papa Lardo, ce serait Vinny qui bosse pour Rex. Hé hey, où vas-tu? Chan doit garder mon père prisonnier ailleurs. Arrête! C'est trop risqué! Je trouverai ton père. C'est le moins que je puisse faire. Je ne te laisserai pas mettre mon père en danger juste pour que tu puisses réparer tes erreurs passées. Ce n'est pas pour ça que je veux t'aider. Thank you.
peut regarder les trucs comme ça. Cool. Qu'as-tu trouvé dans mon bureau, chauffeur ? Rien. Je crois que c'est un animal qui est entré et qui a déclenché l'alarme. Une sorte de mule très têtue. Oh, pas encore ! C'est pour ça que je t'avais dit de ne pas stocker de carottes là-bas, idiot ! Vous inquiétez pas, personne ne sait que vous travaillez pour Vinnie Papalardo. Excellent. Quoi ? Tu as regardé mes registres ? Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais, waouh, Vinnie Papalardo est un criminel d'envergure. Peut-être, mais Vinnie Papalardo, lui, se met facilement en colère. Quoi ? Je suis très calme, moi ! Et je te vire ! Et puis, il ne fait confiance à personne. Plus depuis que Mo, son bras droit, s'est fait arrêter en tout cas. Ah ! Vinnie serait probablement très reconnaissant envers quiconque résoudrait ce petit problème. Oh oui ! Il suffirait de voler un fourgon pénitentiaire et de le récupérer à la sortie du tribunal où son procès a lieu aujourd'hui. Ha ! Attends une minute ! Tu comptes pas rejoindre sa bande ? Si ! Tu es mon chauffeur ! Plus pour très longtemps. Si je réussis à tirer Mo de prison, ça pourrait m'ouvrir les portes du gang de Vinnie et me rapprocher de Rex. Chase, t'as besoin de quelque chose ? Que peux-tu me dire sur le bras droit de Vinnie Papalardo ? Mo De Luca ? Ce n'est pas vraiment un criminel, juste le cousin de Vinnie. Alors pourquoi passe-t-il en procès ? Laisse-moi voir ça. Pas mal. 412 amendes de stationnement impayées. Des contraventions ? Mais alors, je suppose que ce n'est pas trop grave s'il ne va pas en prison. Qu'as-tu l'intention de faire, Chase ? Chan bosse pour Vinnie, et je suis pratiquement sûr que Vinnie travaille pour Rex. Mais pour approcher Vinnie, j'ai besoin qu'il me fasse confiance. En faisant s'évader Mo De Luca ? Ça ne m'a pas l'air très réglementaire, tout ça. C'est la seule piste que j'ai. La police aurait-elle un fourgon pénitentiaire que je puisse emprunter ? Peut-être. Va donc voir Chuck derrière le commissariat. Je vais le prévenir. Excusez-moi, je regarde simplement ce qu'il faut faire avec ça. Je trouve ça bizarre. J'ai une bombe qui marche. Mais lâche-la ! Ok. Bon, on va se laisser là, de toute façon, c'est la fin. Et moi, je vous dis au prochain épisode. Et voilà. Donc, merci beaucoup et à bientôt.